Hello, I'm Etienne Pelissier. I'm the manager of SMP France. Sorry for the English speaker. I will do my presentation in French because I prepared my presentation in French, and if I do it in English, I will take too much time and I won't be able to finish at time. So no problem. If you have question, any question, feel free to ask me in English, but the presentation I will do in French. It's a practical presentation, so there is a lot of picture inside. So for the English speaker, you can follow it. Emmanuel Ferrier asked us to be more in the practical way in this presentation. So I remove as much as possible all the figure, picture, graphic, but there is a lot of picture. And now I switch in French. Donc je vais vous faire la présentation en français. Parce que j'ai pas mal de slides et j'y arriverai pas. Donc le sommaire, je vais vous parler du carbone précontraint. Donc c'est tous les systèmes de carbone précontraint que nous avons développés chez SCP ces 15 dernières années. Je vais faire une petite historique, une définition. Après je vais passer à travers deux cas pratiques du système le plus courant que nous avons développé et que nous utilisons. Et en dernier, je vais vous parler un peu du futur des systèmes. Le carbone précontraint, c'est quoi ? Donc, un peu d'historique, on a développé les systèmes de carbone précontraint à la fin des années 90, début des années 2000, et ça nous a pris un peu plus de 3 ans. La première application en Suisse, puisque le système a été développé en Suisse, c'était dans la partie francophone de la Suisse, dans une école, et la première application en France, c'était à Aix-en-Provence en 2006. Je fais un petit peu d'histoire. SCP, c'est une société suisse qui a été créée par Joseph Scherer. Donc le S, c'est Scherer and Partner. C'est la raison pour laquelle la plupart des développements sont encore maintenant actuellement faits en Suisse. Mais nous faisons des recherches dans tous les pays, pratiquement tous les pays d'Europe où nous avons des succursales. Alors, une définition, comme j'avais dit que je ne serais pas très technique, j'ai mis une définition très simple. Qu'est-ce qu'une lamelle précontrainte? C'est une lamelle à module standard que nous allons mettre en précontrainte par post-tension, avec un allongement à peu près à 6 pour 1000, ce qui nous donne 1000 mégapascales au moment de la mise en précontrainte. Pour expliquer ce que c'est, je vais vous expliquer comment c'est mis en œuvre. Alors j'ai fait des schémas qui sont très très simples, c'est le but. Le système en lui-même est un petit peu plus compliqué, mais le meilleur moyen de comprendre comment ça fonctionne, c'est de comprendre comment c'est mis en œuvre. Donc, étape 1, on va poser des ancrages mécaniques ou chimiques à fonction de la charge que nous avons à reprendre. En étape 2, on va encoller la lamelle et poser la lamelle au milieu de ces ancrages. Ensuite, on va poser les plaques d'ancrage définitives, qui sont ici. Et en quatrième étape, on va poser le système de mise en précontrainte et on va mettre en précontrainte. Tout ça avec une colle qui est fraîche dans le temps d'utilisation de la colle. Donc le détail de l'ancrage, c'est une pince dans laquelle on va mettre la lamelle. Donc là, c'est très schématique. Un système pour pouvoir mettre le vérin et on va pousser la pince pour mettre en précontrainte. Donc ici, on voit la colle, la lamelle, de nouveau de la colle, la plaque d'ancrage définitive, le gabarit pour le vérin et la pince. Maintenant, je vais... Ah oui, pas. Forcément, après, on enlève le système de mise en précontrainte. J'ai mis 24 à 48 heures, ça dépend des conditions du chantier, donc du durcissement de la colle. À l'état final, ça donne ça. Donc, on voit la lamelle, l'ancrage définitif. C'est tout. J'ai pris une étude de cas d'un système standard, c'est-à-dire d'un foncement de dalle, pour mettre en relation les petits schémas que je vous ai montrés avec la réalité. Après, je vous présenterai un cas qui est un renforcement parasismique que nous avons fait, qui est un petit peu plus compliqué. Donc, c'est une dalle qui avait une portée de 15 mètres sur 21, donc ça c'est la dalle existante, sur laquelle on venait suspendre une nouvelle dalle pour un data center. Donc c'est en allemand, puisque c'était en Suisse allemande que ça a été réalisé. Ici c'est dans l'autre direction, on voit que la dalle existante est une dalle précontrainte, on reconnaît les tirants qui vont supporter la nouvelle dalle. Bien sûr la dalle qu'on renforce, c'est celle-là. Et en situation ça donne ça, on retrouve les 6 tirants qui vont supporter la nouvelle dalle, 18 lamelles dans ce sens-là et 12 lamelles dans ce sens-là.
Donc c'est des lamelles précontraintes qui sont tendues à 15 tonnes. C'est du standard. Maintenant, quelques photos pour illustrer tout ça. Donc, on voit ici les trous pour les futurs tirants. La nouvelle dalle est déjà bétonnée, mais toujours étayée. Et là, on est en train de renforcer la dalle existante. Donc là, on est à l'étape 1. On a les pinces qui sont ouvertes. On a la lamelle encollée qui est posée. Donc, on voit de nouveau l'étape 1. Les ancrages, ici. Je vois pas bien, je suis de côté. Ici, on a les ancrages. La pince qui est ouverte, la lamelle qui est posée et qui va se prendre dans la pince. On ferme la pince, ici. On la serre avec une clé dynamométrique, avec un couple qui est défini dans notre plan d'assurance qualité. On voit également ici les ancrages pour la plaque définitive. Ici, on pose la plaque d'ancrage définitive. Et là, ça, ce sont les gabarits qui vont permettre de recevoir le vérin de précontrainte. On arrive à l'étape 5, on pose le vérin de précontrainte et on pousse la pince. Ici, il y a deux rails de guidage pour la pince. Ça, c'est la pince. Ça, c'est le gabarit et le vérin. Ici, on voit, avant la mise en précontrainte, il n'y a pas d'espace. Ici, à la fin de la précontrainte, on a vu que la pince, elle a été poussée. On bloque le système avec des petites éclisses. On laisse 24 heures et le lendemain, ça, c'est le système qui a durci pendant la nuit. Le lendemain, on vient enlever ceci et on a le système, on a le système qui est terminé. Ici, on voit les suspensions de la dalle de dessous. Ici, on nous a demandé une protection anti-feu puisque le renforcement était très très important. On voit ici les tirants qui sont prêts à être bétonnés. Le système anti-feu qui évolue pour arriver au système final. Là, je vais vous montrer une étude de cas sur des lamelles précontraintes, mais qui ont été utilisées dans un renforcement parasismique, dans un immeuble d'habitation. Donc, en situation, vous voyez ici tous les murs qu'on nous a demandé de renforcer. On a mis 22 lamelles précontraintes qui ont été tendues à 14 tonnes verticalement. En coupe, ça donne ceci. Donc, les points bleus, c'est les ancrages. En rouge, c'est les lamelles. La difficulté, c'est qu'il fallait passer à travers le bâtiment pour comprimer ces voiles en béton. Donc, on a créé, ici vous retrouvez le système de mise en précontrainte, la pince, les glissières, et puis on a créé un gabarit qu'on a accroché sur le toit pour pouvoir mettre en précontrainte. Les lamelles, elles passent à travers le bâtiment, dans des trous qui ont été faits à chaque étage. Et puis, au sous-sol, on a un système d'accroche qu'on a aussi développé, fixer les lamelles précontraintes. On voit que c'est assez invasif et ça ne l'est pas, puisque c'est deux trous, bon, il faut que ce soit plat, on peut les reboucher. La lamelle, une fois qu'elle est posée, on la sable, on peut la recouvrir avec du plat, de la peinture, on ne la voit plus. Donc on a un système d'accroche au sommet, un système d'accroche au sous-sol, mais dans le bâtiment, une fois que c'est terminé, vous ne voyez plus les lamelles. Et puis une fois qu'on a mis en tension, on a la plaque définitive, on a coupé le système qui dépassait, une boîte, une étanchéité, et sur le toit vous avez quelques boîtes en plus, 22, puisqu'il y a 22 lamelles. Le futur. Alors j'ai écrit le futur, mais le futur c'est maintenant, comme on dit. Je vais vous montrer les étapes d'après, ce qu'on a développé. Donc, souvent les inventions viennent d'une question. La question qu'on nous a posée, on a dit oui, j'ai bien votre système, ça fait 15 ans qu'on l'utilise, mais 10 ans qu'on l'utilise à l'époque. Mais des fois, on n'a pas envie de voir ces ancrages, est-ce qu'on peut les enlever? On s'est gratté la tête et on a répondu oui. Ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre en tension la lamelle, et après, par un système, alors c'est une boîte qu'on déplace, on va faire des gradients de température et on va ancrer la lamelle avec différents gradients de température pour ancrer avec différentes forces et suivre la courbe des moments pour l'ancrage. Une fois qu'on a fait ça, on peut enlever carrément l'ancrage définitif. Donc, au final, ça donne ça. Ça, c'est un pont qu'on a renforcé en Pologne. C'était un test. On avait prévu de mettre des ancrages normaux, mais on a mis des lamelles sans ancrage pour tester. Alors, je résume ça sur un slide, mais entre la question et la réponse, il y a 3 ans. Donc, si vous voulez des tests, des graphiques et des dimensionnements, on a tout ce qu'il faut.
Une nouvelle question qui nous a été posée par les CFF. Les CFF, c'est la SNCF Suisse, qui nous a demandé de regarder ce pont qui avait 120 ans, en disant on a des problèmes sur les poutres transversales, des problèmes de fatigue. Et on a dit oui, ça on sait faire, le carbone, la fatigue, comme vous le savez, ça va bien ensemble. On dit oui, mais on a deux problèmes. On a les rivets, ça on s'y attendait. La deuxième, c'est la peinture. Il y a 120 ans de peinture. En gros, ils nous ont dit, on sait qu'il y a plus de 5 mm de peinture, mais on ne sait pas quoi. Il y a probablement du plomb. Et la dernière fois qu'on a essayé d'enlever de la peinture sur un pont, elle est tombée dans l'eau et ça a tué tous les poissons. Donc la contrainte est simple, vous ne touchez pas à la peinture. Alors, si on ne touche pas à la peinture, on ne peut pas préparer la surface. Si on ne peut pas préparer la surface, on ne peut pas coller de lamelles. Donc ça, c'était les contraintes, entre autres, il y en avait quelques-unes également. Donc ici, c'est la modélisation du système. Donc, ce qu'on voit ici, c'est le passage des essieux du train. Puis, vous voyez ici en rouge, au passage des essieux, vous avez les poutres transversales qui sont sursollicitées et qui ont des problèmes de fatigue. Donc, je fais un petit encart, ça c'est un arrêt sur image. Effectivement, c'est ces poutres transversales qui, à la modélisation, ont prouvé qu'à la fatigue, elles allaient bientôt casser. Donc, j'avais promis pas de graphique, j'en ai mis juste un. Je ne vais pas m'étendre fortement. C'est des problèmes de fatigue, on voit qu'il y a des amplitudes, donc c'est avant, après. Je pense que la plupart des personnes connaissent ce schéma. Quand on a des problèmes de fatigue, on peut soit diminuer l'amplitude des charges, soit ramener l'amplitude dans la zone de compression. C'est ce qu'on a choisi de faire. Graphiquement, ça c'est avant, ça c'est après, et l'idée c'était de rentrer ce petit point dans le triangle. Je fais très court. Je peux faire une présentation rien que sur ce système. Alors la méthode qu'on a développée, c'est celle-ci. C'est-à-dire qu'on a pincé, on a mis des systèmes qui sont pincés sur l'âme de la poutre. Il n'y a aucune fixation ni mécanique ni de colle. Ça a été le plus difficile à développer, ce qui fait qu'on ne touche rien. On va pincer chaque système, on pose la lamelle, et après ici avec un système qu'on a développé, on pousse les lamelles. Alors là, c'est trois lamelles de 50 mm. On va les pousser jusqu'à avoir la force de tension dont on a besoin dans les lamelles, et ensuite on pose une cale définitive. En photo, ça donne ça, un petit peu d'anglais, la pince, les lamelles tendues et le système définitif. Ça, sur ce pont, on a monitoré par GSM la contrainte, bon, l'humidité, les conditions climatiques et la contrainte dans le carbone pendant 6 mois. Ça n'a pas bougé. Ça a été fait en collaboration, les deux systèmes précédents, ça a été fait en collaboration avec l'EMPA, donc le laboratoire des matériaux suisses. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent. L'avantage du système, bon, c'est qu'il est très léger, il est très rapide à mettre en place. On peut l'enlever, ce qui est très important parce que la plupart de ces ponts sont des ouvrages historiques et en Suisse, en tout cas comme en France, je crois, ils n'aiment pas tellement qu'on colle des choses sur leurs ponts. Et puis surtout, on peut contrôler la tension et s'il y a un problème, on peut revenir tendre les lamelles précontraintes. Donc, gros succès et très 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 bon marché par rapport à une réfection standard. Voilà, j'ai terminé, je suis dans les temps.